Salut à tous, c'est Kiwi, on retrouve Kratos pour le 11e épisode de God of War 2 remasterisé en HD sur PlayStation 3. Les petits amis, si vous voulez me soutenir, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez et mettez un petit commentaire. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines aventures. On va actionner ça. Pour voir ce que ça... Ben, ça lève juste la plateforme. Hein. Est-ce qu'on va pouvoir donc monter dessus? Ah là c'est un peu trop, j'ai l'impression. On peut pas donner un petit coup d'amulette d'émoire là, non, ça ne marche pas. Grimper ici peut-être. Bon, ça ne marche pas. Cette statue là, elle fait flipper. Hein. On va aller ouvrir cette porte. Allez, c'est parti. Allez, vas-y Kratos. Force un peu. Qu'est-ce qu'on a par là? On a des Maccabées. Un petit coffre de vie qui fait plaisir. Ça ne se casse pas, ça. Ah, il y a un truc là. D'accord. Ok, ok. J'ai vu une petite manivelle là. Oh là là, c'est quoi ce mec encore là? C'est qui ce gars? Tu comptes... Attends, tu comptes en invoquer... Attends. Arrête un peu. Ah, on peut t'attraper. On peut t'attraper. Ah, effectivement, on peut te choper. C'est bien ça. Tiens. Oh, mais en fin de compte, je vais te finir comme ça, mon gars. Ah, ça, c'est bien ça, dis donc. Ouah, attends, attends. Calmons-nous. T'as pas envie de... Ah, mais j'en ai vu encore un autre. J'en ai vu un... Ouais, l'autre il se promène à côté de moi comme ça. Non mais attendez, c'est quoi ces conneries? Allez, vas-y, termine-le. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Tiens. Ah, je sais pas ce qu'il m'a fait, mais il m'a déclenché un truc. Oh là 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 là. Cette reprise de volée. Et allez, et un deuxième. Qui trépasse. Non, 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 non. Tu vas arrêter tout de suite tes pouvoirs magiques, flamme verte, je sais pas trop quoi. Voilà, ça dégage. Tiens, toi je vais récupérer un peu de vie sur toi. Oh, comment je me déchaîne là. Je sais pas qui c'était ces types là, le trio, mais je les aime pas trop. Waouh, waouh, waouh. C'est quoi ces conneries? Ah, oh, je vous ai levé, j'ai pas pu prendre de la vie sur vous. Ah, c'est dommage. C'est dommage, mais je me suis bien défoulé. Alors ça, par contre, je ne sais pas à quoi ça va servir. Il y en a un autre, là? Oui, il y en a un deuxième. C'est quoi, ce truc? C'est des plateformes, ça? Il faut genre vous positionner ici? Pas du tout. Hein. Faut que j'en fasse quoi de ça? Il y a une chaîne là. Pas grimper comme sur l'autre chaîne, non?
Bon, du coup, on en est où? On en est plus très loin. Moins 2000. Je sais pas quoi faire là. Là, je vous cache pas que je sèche un peu. Ça se casse, hein? Ah, mais s'il y a ça! À quoi ça sert? Ah oui, d'accord. Oh, l'intelligence! J'avais pas saisi tout de suite. Ok. Le mec qui se lance DV Fleur. Oh, l'intelligence du kiwi! Là, on est bien au niveau vie. Parfait. Ah. Pour changer le destin de l'Olympe, Zeus fait appel aux moires. Ok. C'est tout? C'est ça la description? Y a rien par là? Moi, j'ai juste ce coffre. Est-ce que ce combat va bien se finir? Ah, je crois qu'il y en a un qui va mal finir. Ah, il arrive à se relever. Hein. Le soldat, là, il s'en sort pas trop mal. Hein. Il se fait jeter, il se fait presque terminer, il se relève, il évite le coup de hache. Oh, dis donc. Pour un vulgaire petit soldat, c'est pas mal. Hein. Ah, les copines! Tiens! Allez! Ça dégage! Toi, je t'arrache les ailes. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Pourquoi j'ai un coffre qui brille entre le jaune et le bleu là? J'ai pas raté un truc? Ah, quel est ce passage? Voilà. Allez, tu dégages, tiens, je t'explose contre le mur. Ok, on peut descendre par là, je pense. Hein. Ah, vous êtes trop stylé, vous. Dis donc. Vous êtes vraiment trop stylé, ma parole. Je vous aime bien, je vous aime beaucoup. Je vous aime énormément. Et un moins. Je peux t'attraper comme ça? Ah, ça marche bien. On va réessayer. Tu vas le supporter combien de fois avant de trépasser? Que deux fois. J'ai vu, j'ai vu. On y est presque, on y est presque. Les petits amis, on y est bientôt.
Il a pris tarif, le soldat, il est découpé. Il est en morceaux, il y a son bouclier dans l'eau qui baigne dans son sang. C'est quoi ça? Oula! Dis donc. Je suis où là? Ah mais j'ai chuté aussi. D'accord. Mais du coup, j'ai pas raté un truc dans l'autre passage? Ça, je sais où est-ce qu'il faut le foutre. Il va falloir le mettre ici. Voilà, comme ça. Comme ça, là. Voilà. Ici. À moins que ensuite ça aille là. Attendez, je vais juste refaire un petit passage. J'ai l'impression d'avoir raté un truc, mais je ne sais pas quoi. Vas-y, grimpe. Ah ben non, je n'avais rien raté. Ah si, ce coffre là-bas. Je sais pas... Je ne sais pas. Franchement, j'ouvre lorsqu'il est jaune. Laisse la colère des titans attiser tes lames, Kratos. Laisse la colère des titans attiser tes lames, Kratos. Vas-y, Kratos, défonce-les. T'es venu ici pour rien, mais c'est pas grave. On va pouvoir repartir. Ah, mais s'il y a un truc là-haut. Non, je l'ai raté. Attendez. Non. On peut pas reprendre. Repartir au dernier point de... Ouais, vas-y. Ça fait quoi? Oui, trop bien. Dis donc, j'ai de la chance, hein. Non? Sérieusement, là. J'ai un peu de chance, là, non? Oui, oui, oui. En plus, il y en a beaucoup. Ok, nouveau mouvement, dégâts accrus, le courroux de Tartare et le courroux du boursin. Enfer de Prométhée, maintenir L1, ok, d'accord, ok. Ok, level max, ça c'est bon. Bon, maintenant on distribue un coup d'un coup, là. Dans le courroux, dans les éclairs, ça a l'air pas mal. Hein. Améliore courroux, frapper plus d'ennemis, blablabla. Débloque dégâts accrus, invocation d'âme. On va distribuer là-dedans. Allez, pourquoi pas. Oh là là, les lames, elles sont magnifiques, les petits amis. Magnifique. On va les sauvegarder. On va les sauvegarder. Je trouve ça sublime. D'abord, on va positionner ce bloc en dessous de là où il doit être. Je pense savoir qu'il doit se retrouver ici pour qu'on puisse accéder à l'échelle. Maintenant, on va sauvegarder. Pourquoi pas? Maintenant, on va monter. Quand tu veux. Il y a des copains. Il y a des copains. Il y a pas des copains là. Ça, c'est pas des copains, ça. Ça, c'est pas des copains du tout, ça. Oh, vas-y. Allez, tu vas mourir, ouais. Oh, les lames comme ça, elles sont magnifiques.
Elles sont magnifiques. C'est quoi ça? Cette statue a perdu son bouclier. Bah, je veux bien, hein, mais... ça va servir à quoi? On peut l'envoyer valser en bas? Salut! Bon. Ok. Vas-y, va un peu plus vite. Y'a quoi par ici? Ah, j'y suis déjà allé. Moi, je vous le dis, vous allez vous détendre. Car je vais vous exploser la face. Ah, la petite plume de phénix qui fait plaisir. Ok. J'ai compris. Je récupère juste le coffre de vie. Et je pense que j'ai saisi le concept. Je crois avoir saisi le concept. Hein. Du coup, je pense qu'en fin de compte, j'ai pas du tout saisi le concept. Ah, mais alors, pas du tout. Ok. Ça, ça peut pas bouger de là. Par contre, ça, ça va bouger, ça. Ça, ça va bouger. Peut-être que... Peut-être que... En le mettant là, ça va s'effondrer. Non, ça veut pas. Attendez, je peux le pousser sur les gravats, là? Pas du tout. Il me faut un bouclard. Ah mais les gravats, en fin de compte, il n'y a rien à... Je sais pas... C'est pas du tout du sol à casser, quoi. Ah bah ouais, ah ouais. Ouais, d'accord. Ça ne sert pas à grand-chose. Je peux pas sauter dans le trou, là? Non? Il a pas envie. Bon, mais il va falloir réfléchir un peu, hein. Et Kratos, c'est un gros bourrin. Kratos n'arrive pas trop à réfléchir lorsqu'il a le ventre vide. Car Kratos a faim. Je vais faire de Kratos un mec complètement... complètement abruti. Bon, je ne sais pas quoi faire, les petits amis. Ah, mais vas-y, pourquoi tu tombes? J'ai l'impression qu'on va tourner en rond longtemps ici. Pas l'air d'y avoir grand chose là. Pourquoi on peut pas accéder à ça? Bon, bah, je pense qu'il va falloir passer encore une fois par là-bas. Il me faut un bouclier. Il me faut un bouclard. Ah, des copains. Ça me dit que je suis sur le bon, sur la bonne voie. Waouh. Non. Oh, comment je t'ai esquivé. À ton tour maintenant.
Ça te fait mal, mes lames du chaos? Est-ce que ça te fait mal? Hop, plus de tête. Encore un autre. C'est normal que la musique s'arrête et toi tu pop. Il n'y a pas comme un problème là. Ok. Ceci est étrange. Ça, on va se le garder pour plus tard. Encore un point de sauvegarde. Voilà, ça c'est fait. Alors, comment qu'on fait? Si je vais par là, il se passe quoi? Ok. Strictement rien. Allez, tiens. Prends-toi ton pote dans la tronche. Ah, il y en a un troisième. Tiens, c'est ton copain aussi, ça. Tiens. Je t'avais pas vu, mais je t'ai entendu, toi. Ouais, vous vous cachez où? Venez par ici. Bande de faibles. Putain, j'aime bien vous jeter contre le mur. J'adore ça. Petite musique épique. Ok. Il faut faire quoi là? Ah. Ah, d'accord. Amulette des moires. Invoque l'arrêt du temps, s'il te plaît. Je vois un petit coffre là. Moi j'y vais, hein. J'ai pas peur. J'ai pas peur. Attends, les branches se sont rangées là, c'est pas cool. Et elles se sont pas rangées de mon côté. Dis donc, ça fait un sacré fiac là-bas dans le mur là. Un sacré fion. Ouais, et je fais comment? On m'explique ce que je dois faire avec ça là? Ah, ok. Il n'y a pas de... Vite, 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 vite. Vite. Mais ne tombe pas dans le trou, mais Kratos, mais qu'est-ce que tu me fais? Bon, reprenons. Reprenons, maillons-nous, maillons-nous. Voilà. On recommence. Allez, fissa, fissa. Vas-y Kratos, t'as le temps de traverser ou pas? T'as le temps de traverser. Oh là 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 là, vous allez prendre tarif vous. Je peux te pousser toi? This is Sparta! Bon, attendez, y a pas un truc par là? Y a rien par ici? Oh, j'ai peur, j'ai peur. On va éviter de faire n'importe quoi. Et voilà. Allez, plus vite, plus vite, plus vite. Oh là 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 là, ce carnage aérien. Tenez, prenez ça. Ah, au moment je vous défonce. Oh, j'adore ce coup. Il est overpuissant. Ok. On y retourne.
Aïe aïe aïe. Vite. Voilà. Ah, pas mal cette petite statue. Ne tombe pas dans le trou, mais non. Ah, oh, ça m'a remis ici. Trop bien. Trop bien. On n'a pas besoin de prendre encore ça. Pas nécessaire tout de suite. Allez. Non. Cette porte était ma seule issue. Ouais, ben écoute. Je te connais, toi, non? J'ai passé 1000 épreuves pour accéder aux sœurs du destin. Je te connais, toi. Et tu as réduit mes efforts à néant. Je me demande d'où tu tiens ta réputation. Toi, le fantôme de Sparte. Mais c'est peut-être une épreuve. Vous me regardez, sœur du destin. Donnez-moi un signe. Dois-je, moi, le grand Percé, tuer ce dieu déçu pour que vous m'accordiez une audience? Ah, si c'est Percé. Pourrais-je alors arracher mon amour des griffes d'Hadès en personne? Sinon, je me contenterai de la gloire d'être celui qui a terrassé le puissant Kratos. L'infâme tueur de dieu. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais je ne pense pas qu'un amateur de harpie dans ton genre mérite tant d'éloges. Oh, déjà le mec qui cheat. Le mec, il est invisible. Je suis là. Non, mais attends, mais apparaît si t'as des couilles, mec. C'est quoi ces conneries là? Espèce de gros tricheur, va. Espèce de gros lâche, comme dirait mon poteau, comme Get Some. Alors, dédicace à toi, poteau. Côté. Ouais, je vais te faire la peau. Mais non, voilà, je suis ici. Tu te caches où? T'as pris cher. Ah, mais déjà j'ai écrasé ton truc qui te rend invisible. Ça, c'est cool. Qu'est-ce qui t'arrive, l'ami? Qu'est-ce qui t'arrive? Non. Non. Je sais pas ce que tu crois faire, mais je vais te défoncer. Viens par ici. La colère, tu vas subir la colère de Kratos, l'ami. Allez, ton épée, c'est réglé. Non. Attends, je vais faire un truc pour toi là. Je vais te faire un truc pour toi. Je vais te faire un petit cadeau. Est-ce que t'es prêt? Est-ce que t'es prêt parce que tu vas vivre là? Allez, tu vas mourir, oui. Allez. Allez, j'ai encore de la ressource, là.
Allez, tiens. On boit la tasse, on boit la tasse, on boit la tasse. On boit la tasse. Ah, du premier coup, les petits amis, il n'y a pas eu de montage, il n'y a pas eu de second round, de deuxième essai, rien du tout, je l'ai défoncé. J'ai fait une petite percée dans son bouclier. Un percé. Ah, le mec, c'était d'une passoire. L'eau de boss 2. Très bien. Bon, bah, très très bien. Je suis très satisfait de ce que je viens de faire. Et j'ai récupéré toute ma life. C'était un boss, ça? Laissez-moi en douter. Oh là 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 là, cette raclée, mais majestueuse raclée. Hein. Ah, le mec, il a pas compris ce qui se passait. Ouais, je vais terrasser le tueur de dieu, blablabla. Bla, bla. Tu vas terrasser rien du tout, hein. Oh, j'ai même pas besoin de prendre des coffres. Je les snob. Ouais, Kratos qui snob des coffres, c'est superbe. Je vais descendre de tout en haut. Comme ça. Waouh. Bon, allez, un petit point de sauvegarde. Et c'est parfait, eh, c'est parfait. Regardez-moi sa tête à lui, là. Pour une fin d'épisode, si c'est pas cool. Bon, les petits amis, on s'arrête là pour cet épisode, donc. On se retrouve dans le prochain. On verra bien sur quel jeu on va se concentrer la prochaine fois. Quel jeu on va défoncer. Bon, je vous dis à plus. Salut à tous. Bye.